Tungamanyi. 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 Venye kuntambi. Karamani tambi. Kunta kitene. Kunta birene. Ibe malinki famu. Kopimbine nankentamu. Yonki ni nyantambi. Gune kota nyandi kine njongi. Kelike yuko kore sukama. Luko tento chuso gome aljana. Andi ngori dumpen. Takakari. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur TV Touba pour cette nouvelle édition. Aujourd'hui on se retrouve avec mon pote, mon gars sûr, Will. Il est là, au calme. Bonjour. Alors Will, je te laisse te présenter un peu. Je me présente sous cette terre de joueur de footballeur, je suis joueur de foot. Et bon, actuellement j'évolue en Bulgarie. Et bon, j'ai fait toute ma carrière en Angleterre. Et là c'est deux dernières années en Bulgarie. Je suis joueur de foot, attaquant. On essaie de marquer des buts. Voilà. C'est quoi la vie de footballeur déjà? Explique-moi. Parce que nous, on voit à la télé, on voit les Cristiano, on voit les Messi, on voit les Matuidi, on voit les... Enfin, tu vois ou pas? Comment vous expliquer? La vie de footballeur, c'est... Bon, parfois, c'est vrai que c'est le rêve de beaucoup de jeunes, mais ça demande beaucoup de choses aussi. Beaucoup de rigueur, beaucoup de travail et de discipline. Mmh. Ça demande tout ça. Et parfois, c'est des moments où tu te retrouves seul. Tu rentres chez toi. Si tu n'as pas de famille, tu es tout seul, ouais. Tu vas à l'entraînement, c'est au quotidien. Parfois, quand tu es à l'étranger, quand tu ne parles pas la langue, c'est difficile. C'est vraiment difficile de s'adapter aux joueurs étrangers. Et tu vas à l'entraînement, parfois, l'entraîneur, tu ne comprends pas forcément ce qu'il raconte, ça veut dire dans ta tête. T'es obligé de... Ça tourne. Et tu dis, à des moments, tu te poses la question, tu te dis, mais... Qu'est-ce que je fais là? Et aujourd'hui, oui, la vie de footballeur, tout le monde en rêve. C'est une belle vie parce que voilà, tu vas à l'entraînement, t'as rien à faire, ben t'as ouais. Juste à aller à l'entraînement. Mais... Tu prends tes affaires, tu vas à l'entraînement, c'est le kiff. En plus, j'imagine toi aussi, t'as des grosses montres, des Ferrari. Non, moi, tu sais, je suis vraiment simple. C'est-à-dire, je me rends à l'entraînement à pied parce que bon, en même temps, l'entraînement, c'est à côté de chez moi. Je me rends à pied. Bon, il y en a, ils viennent avec des grosses voitures. Ouais. Mais bon, moi, je fais que les regarder, les grosses voitures. Moi, je les regarde. Je peux même pas les conduire. Donc, non, après, comme on dit, tu vas à l'entraînement, c'est prendre du plaisir et rentrer chez soi et se vider la tête. Se vider la tête. Pour moi, c'est ça, la vie d'un joueur de foot. C'est quand tu rentres à la maison, il faut oublier le football. Il faut passer à autre chose et faire autre chose, parler avec sa famille, ses amis, comme toi quand je t'appelle et on discute, tu nous fais tes appels là, hein. Mais voilà, non, franchement cette vie de footballeur ça me plaît, je l'ai toujours voulu, mais c'est difficile, c'est vraiment, vraiment difficile. Et peu de gens le savent, il y a énormément de sacrifices, de concessions à faire, mais, de difficultés. Du coup, mais pourquoi tu t'es mis dedans? Comment tu es arrivé dans le foot en fait? Alors, tu pouvais faire autre chose, moins de sacrifices, franchement, passer du temps avec ta famille. Bien sûr, après voilà. tu sais, quand t'es un jeune de quartier, au quartier ça joue qu'au football. Ouais. On va pas aller, bon il y a des joueurs de basket, mais même les joueurs de basket... Mais t'es trop petit pour faire du basket. Déjà, ça, mais attends, attention, t'as des petits, ils sont chauds, Alan Iverson, attention. Hein. Ouais, et, ok, ouais, c'est vrai. Alors, après, tu sais, dans un quartier, la première chose qu'on va te proposer, c'est le dimanche, ça joue, tout ça, il faut que tu viennes jouer. Ouais. Donc, c'est-à-dire, tu viens, tu joues, tu t'éclates et tu prends plaisir. Et quand on te dit, oh, toi, t'as quelque chose, hein. Toi, t'as un truc. Et moi, vedette comme je suis, je me sens poussé des ailes quand on me dit que je fais deux, trois petits pots. Ouais. Tu prends goût. Tu te lances par des petits clubs, ouais. Des petits clubs du coin. Tu vas essayer, tu te fais des essais, tu vois que ça passe. Tu vois que tu arrives à performer. Et tu prends goût. Moi, franchement, c'est même pas pour l'argent que je joue le football ou quoi que ce soit. C'est vraiment parce que Dieu m'a donné un don. Dieu m'a donné ce don-là de jouer au football. Donc, je joue au football. La vérité, franchement, je vais vous dire la vérité. J'aime le football. Mais j'aime aussi d'autres sports, comme la boxe, tout ça, etc. Mais au fond de moi, je joue au football parce que j'ai un don. Mais
Je ne suis pas le joueur de foot qui va regarder du foot tout le temps, tout le temps. Passer mon temps. Je m'entraîne beaucoup, par contre. Je m'entraîne beaucoup, mais regarder le football. J'avais vu ça. Franchement, je regarde pas les matchs de football. J'aime le football parce que je suis fort. Mais en gros, c'est ce que tu es en train de dire. Si ce n'aurait pas été du foot, ça aurait été quand même du sport. Ça aurait été du ball, la boxe ou. Non, ça aurait été de la boxe, autre chose. Mais en réalité, franchement, le football, tu sais, je ne suis pas axé football. Après, oui, comment ça a commencé? Ça a commencé dans les quartiers. Ouais. On a commencé au quartier avec les potes. Et petit à petit, tu sais, tu as des agents, ils vont te proposer des clubs, des contrats, ci, par-ci, par-là. Et après, c'est après, à toi de faire le choix. Après, voilà, ça... Il y a des choix que... Et à un moment donné, j'étais vraiment axé quartier, jouer dans mon quartier. Je ne me voyais pas aller dans un club jouer. Parce que je me disais, non, moi, je veux rester avec mes potes, je veux kiffer. Foot street. Donc, foot street, tu veux faire du sale sur le terrain, tu veux dribbler, tu veux faire plein de trucs. Et voilà, c'est parti de là, en vérité. Comme je t'avais dit, yes. On s'est vu aussi, on s'est rencontré à l'INSEP. Yes. Et je sais qu'à ce temps-là, c'était chaud, c'était dur, yes. Tu vois. Parce que là, moi, j'étais blessé, toi, tu étais blessé. Là, il revient sur les non, parce que je sais que ça n'a pas été facile. Mais ce que je veux dire, tu vois, quand tu passes par des moments comme ça, là, quand tu es là pendant des mois, voire même toute une année presque, tu es en mode galère, rééducation. Mais comment tu fais derrière pour refaire, reprendre ta carrière et refaire du sport de haut niveau, quoi, tu vois? Franchement, c'est difficile. Même moi, des fois, comme je dis toujours, j'ai pu faire certaines interviews sur certaines chaînes africaines. Et comme je dis toujours, je reviens au mot miracle. C'est le miracle. Toujours y croire, parce que je suis un croyant avant tout. Et quand tu mets Dieu dans toute chose, Dieu te donne la foi de pouvoir avancer dans toute difficulté. Ces difficultés-là, ouais, ça a été dur. Pendant 2 ans, j'ai été blessé. Je regardais mes potes jouer au football. Je regardais les championnats. Je me dis, mais moi, je suis sur le côté. Ouais. Des fois, tu as envie de pleurer. J'ai eu une longue blessure. C'était les adducteurs. Ouais, je me rappelle. J'arrivais pas à la guérir. C'était difficile. Ouais. C'était éprouvant. C'était... Franchement, je crois que c'est l'une des plus grosses épreuves de ma vie. Mais il fallait rester fort. Pourquoi? Parce que à côté de ça, comme on dit, quand il y a une difficulté, à côté de ça, il y a une facilité. Et la facilité, c'était quoi? C'était d'être bien entouré, d'avoir des amis comme toi, des bons kinés, un bon entourage qui te redonne le sourire. Franchement. Et c'est ça qui fait que vraiment, tu arrives à surmonter cette épreuve-là parce que Dieu te met autour de toi des gens qui vont t'aider et te donner la force de tenir, en fait, de tenir. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, j'ai pu me relever. Dieu merci, je n'ai plus de pépins physiques. Ouais. Et... ça a fait de moi aussi un homme. C'était cette épreuve-là qui a fait de moi un homme. Aujourd'hui, si je suis comme ça et j'arrive à parler comme ça devant toi, devant les gens, devant ma famille, c'est parce que j'ai dû passer par ces épreuves-là qui ont fait de moi un homme. Ouais. Et c'est ça, en fait, en vérité. Mais d'ailleurs, parlant de ta famille, comme je t'ai dit à ce moment-là, tu vois, tu étais blessé, c'était galère, tu as passé un an chez le kiné. On passait nos journées, tu vois, on partait à 8h du matin, on rentrait chez nous, il était 20h, tu vois, c'était marrant, tu vois. Par rapport à ta famille, tu vois. Genre, comme tu as dit, il y avait des moments de galère. À un moment donné, genre, tes parents, ils t'ont pas dit, ta famille, ils t'ont pas dit, Will, tu sais quoi, laisse tomber, retourne à l'école, essaie d'avoir genre un bon diplôme, tu es intelligent pour avoir un bon diplôme et aller travailler dans un bureau ou trouver un petit travail où tu gagnes ton salaire tranquille, tu vois. Et quand on dit ça, comment tu réfléchis derrière? Comment tu arrives à te... Ça fait mal quand ta famille dit ça parce que tu dis, ils croient pas en ton rêve, tu vois, ils sont pas derrière toi. Et quand on te dit, ouais, mais je pense que tu es en train de vieillir, tu es encore blessé, t'entends ça. Franchement, la vérité... Genre, tu es toujours blessé. Ouais, t'es toujours blessé, c'est toujours des trucs comme ça. Ça fait mal parce que toi, tu te donnes la peine de revenir, mais ils ne comprennent pas les sacrifices que tu mets chez le kiné à faire ci, à faire ça, à rester de 8h jusqu'à 17h, à essayer de soigner un truc. Tu ne sais même pas c'est quoi comme blessure, tu ne comprends pas. Et quand ta famille, ils sont comme ça et que t'sais, ils te disent, il vaut mieux que tu arrêtes le football pour aller chercher du travail. Moi, dans ma tête, je me mets dans une bulle. Je me dis, ok, n'écoute pas ce genre de choses-là. Parce que, comment dire, la route vers le succès, ça fait partie de ça, en fait. Que tes parents te disent des choses comme ça. Et ça fait partie aussi d'y croire. Si tu crois en toi,
faut jamais écouter. Après, les parents, ils disent ça aussi, tu vois. Parce qu'on a, comme, on a été dans les mêmes cas. Et tous les sportifs qui étaient dans notre... Il y a d'autres sportifs aussi qui ont été dans ce cas de figure. Après, les parents, ils disent pas ça forcément aussi pour décourager. Comme je t'ai dit, tu vois, moi je pense que, est-ce que c'est pas plus pour, parce qu'ils ont peur, ils se disent, mais en fait finalement, ils se rendent compte que footballeur, c'est pas donné à tout le monde en fait. Bien sûr, c'est normal, c'est par inquiétude. Et des fois, ma mère, elle me le dit, elle me l'a déjà dit, c'est par inquiétude, c'est pas pour me casser ou quoi. Ah. Mais moi, au fond de moi, c'est au fond de moi que je ressens cette croyance. Donc peu importe, t'as beau me dire ce que tu t'as envie de me dire, je le prends, je l'écoute. Mais au fond de moi, je sais que j'ai cette détermination-là, j'ai cette foi et cette envie d'aller toucher mon objectif, ne serait-ce que le toucher. Et voilà, après oui, c'est par rapport aux parents, c'est compréhensible qu'ils te disent il faut que tu t'arrêtes, il faut que tu penses à ton avenir. Et voilà, c'est des choses normales. Je voulais savoir, soit tu as joué en Angleterre, tu as joué en Bulgarie, tu vois. Et c'est quoi la vie d'être genre coupé des parents et, genre, tu vois, t'es en Angleterre. En Angleterre, encore, ça va, tu vois. Tu parles un peu anglais, tu vois. On comprend depuis tout à l'heure, tu nous sors des yes et tout. You know what I mean? You know what I mean? I am a fucking challenge. Voilà, tu vois. We love from Paris, you know? Non, sérieusement, tu vois. Vas-y, sois un peu sérieux, là. Tu vois, vas-y, les téléspectateurs, vas-y, ils ont vu ou quoi? Non, sérieusement. Tu vois, genre, en Angleterre, ça va, mais Bulgarie. Ah oh mon gars, tu devais être perdu là-bas, Bulgarie. Ouais, après, tu sais, c'est une différente culture. C'est là où tu vas aussi chercher l'expérience de voir ce qui est autre chose qu'une zone de confort où tu as l'habitude de connaître des gens, une langue, tout ça, etc. Moi, de partir là-bas, ça a été une belle expérience. Et c'est une belle expérience d'y être là-bas. Tout aussi différent, c'est vrai qu'en Angleterre, la différence, c'est que le lifestyle, tu sors, tu parles avec différents types de personnes, anglais, que ça soit femme ou homme, bon lui va penser que c'est femme. Voilà. Je le connais bien. Moi j'ai rien dit. Et la différence c'est que bon c'est quand tu arrives en Bulgarie, c'est tout aussi différent. Communiquer avec les gens c'était difficile parce que la langue je ne l'avais pas. Sortir les sorties c'était pas pareil parce que je connaissais personne et pour s'adapter comme ça à notre style de vie, c'est différent. Et le fait d'être loin de chez moi, en plus de ça, c'est tout aussi encore plus difficile, encore plus compliqué de s'adapter parce que tu n'as pas ta famille, ils ne peuvent pas forcément venir te voir, tu vois. Ce n'est pas forcément un pays qu'ils vont peut-être aimer parce que l'Angleterre, c'est vrai que... Après, moi, Bulgarie, j'aurais kiffé. D'ailleurs, je devais venir te voir. C'est vrai. Et je vais venir. Venu. Non, je vais venir, t'inquiète. Même un jour. Un jour non, je vais venir, on arrive en équipe. En boule dé, comme on dit. Franchement, vous êtes les bienvenus. Mais comme je dis, franchement, là, c'est plus une question d'adaptation. C'est un différent style de vie, une différente culture, mais tout aussi aimante que ma première expérience. J'ai bien aimé. Et j'aime bien, surtout, parce que j'y suis encore. J'aime bien la Bulgarie. Mais c'est vrai qu'au niveau du lifestyle, je suis vraiment plus concentré sur cet objectif-là de entraînement, si ça. Tandis qu'en Angleterre, j'avais des sorties. C'est plus facile aussi. Bien sûr, je pouvais aller visiter certaines choses. Tandis qu'en Bulgarie, non, je suis chez moi, je vais à l'entraînement. De temps en temps, je vais faire des balades, je vais au restaurant. Je prends du bon temps, mais c'est vrai que des fois, c'est important aussi d'avoir ce lifestyle où tu vas rencontrer des gens, tu vas discuter avec des gens, tu vois. Et en Bulgarie, c'est vrai que ça, je l'ai un peu plus difficilement qu'en Angleterre. Et ça fait quoi de... Je sais pas comment... Comme on a dit, tu vois, d'être un mec des quartiers, tu vois, et de partir grâce à sa passion, grâce à son métier, de partir ailleurs, de rencontrer d'autres mondes. Ça donne quoi comme sensation? Genre, il n'y a pas une fierté de dingue derrière et tout, de se dire « Ah ouais, putain, j'ai réussi quand même un peu, même si je n'ai pas de Ferrari, même si je n'ai pas de Rolex, tu vois. » Ah, ça, on ne sait pas. Non, c'est sûr. Après, d'être un mec de quartier, comme je te dis, la fierté, c'est tu pars du quartier, tu joues au quartier, tu t'amuses avec tes potes. Au début, c'est pour rigoler. Et tu prends conscience que tu as un réel truc, tu as un réel potentiel. Et la différence entre un mec de quartier... Et un joueur de football professionnel, c'est la discipline. Donc, à un moment donné,
je me suis dit, Wilfried, si tu veux réussir, je suis un mec de quartier, tu veux réussir, il te faut la discipline, il te faut la rigueur, il te faut le travail. Il faut que tu sois concentré sur un objectif pour réussir. Et quant à tout ça, là, ça te donne une fierté de dire, ah ouais, le changement. Parce que s'il n'y aurait pas eu tous ces ingrédients-là, là, j'aurais jamais pu devenir professionnel de ma vie et jamais pu avoir cette fierté, en fait. Ouais. Donc, cette fierté, tu dois la nourrir. Tu dois la nourrir de quelque chose pour après, au final, être fier de ce que tu as fait. Et aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé. Partir de quartier, prendre du plaisir, tu kiffes, tu mets des petits ponts, encore une fois, tous les jours. De, comme tu dis, de 8h jusqu'à 17h, parfois être sérieux, parfois glander, c'était devenu ma famille. Donc pour moi, c'est comme si j'allais à la maison, je passais du temps avec mes parents. Ouais. Les kinés, c'était mes parents, je les connaissais tous un par un. Ouais. Et pour moi, j'étais à l'aise. Donc je voulais faire un truc, je le faisais. Je voulais crier, je le faisais. Je voulais faire du trampoline, je le faisais. Je m'en souviens, il y a une vidéo, je te la montrerai après le reportage. Où je suis en train de sauter dans le trampoline et il est en train de se foutre de ma gueule. Il me dit, ah mais regardez-lui, ce con-là, hein, il est jamais sérieux, tout ça, etc. Et cette vidéo-là, je la regarde souvent et tout, parce que ça me remémore un petit peu les moments passés. Mais bien sûr, tu sais, quand tu es à l'aise avec les gens, comme que ce soit toi, que ce soit Lorraine, que ce soit d'autres sportifs, tu prends goût parce que tu les vois tous les jours. Ouais. Tu les vois tous les jours. C'est tes potes. Après, c'est, ouais, on est... c'est une famille après, voilà, tu vois. C'est obligé de déconner. Donc, c'est de dire, c'est des gens qui restent dans ton cœur. Et je l'avais dit sur un interview écrit, ces gens-là ont fait de moi cette personne que je suis, de les rencontrer, de passer du temps avec eux, de rigoler, de sentir à l'aise, de faire le beau gosse, prendre un ballon de basket, faire le LeBron James. Mais je sais même pas shooter. Tu vois, on était tous les gens qui étaient là-bas, on n'était pas là-bas par plaisir. Exactement. On était là-bas parce qu'on était blessés, parce qu'il fallait qu'on soigne. On passait toutes nos journées là-bas. Et franchement, j'avoue que, tu vois, je le dis devant mes téléspectateurs, devant les téléspectateurs de TV Touba. Et franchement, ça fait plaisir de voir que tu es reparti, tu as repris. Et quand je vois d'autres personnes, tu vois, comme tu as dit, Laurent, quand je vois Mamoudou, quand je vois d'autres personnes, tu vois, qui étaient là-bas, qui ont pu reprendre bien, qui ont parfait, qui ont réussi. Et franchement, ça fait plaisir, tu vois. Et encore une fois, tu vois, on va revenir sur la vie de sportif, tu vois. Et genre, tu vois, quand t'es sportif, c'est pas chaud de se dire, vas-y, par exemple, les samedis soir, les vendredis soir, tu peux pas sortir parce que tu te dis, t'as entraînement ou t'as match samedi, ou le samedi, t'as envie de sortir, mais en fait, t'as un match dimanche. Genre, cette vie-là, ça rend pas dingue. Parce que moi, à un moment donné, tu vois, maintenant que je suis plus dedans, je me dis, en fait, putain, j'ai dit raté des trucs de ouf, en fait. Yes, boîte de nuit, les... Tout de suite, les boîtes de nuit. Tout de suite, les boîtes de nuit. Il n'a pas dit les petites promenades avec une tille, tu vois, au bord de la plage, sur Paris. Il a dit boîte de nuit. Non, franchement, c'est sûr. Quand tu sais que le samedi, t'as match, le vendredi, tu vas pas sortir. Mais ouais. En fait, en réalité, avec le temps, avec l'habitude, tu t'habitues à ce mode de vie, en fait. Tu vois, tu t'habitues à ce mode de vie. Moi, au début, c'était difficile quand j'étais en Angleterre. Les vendredis soirs, j'allais en boîte, je kiffais. J'arrivais sur le terrain, fatigué. J'étais fatigué. Mais le truc qui me sauvait, c'est que dans ma tête, Kaira, il faut performer. Donc, ça veut dire, peu importe que tu es fatigué, fatigué ou pas fatigué. Moi, je suis à l'étranger, hein, faut que je les choque. C'est faut bien. Que je les choque. Donc, il y a des fois, j'étais fatigué, j'arrivais, j'étais sorti en boîte de nuit, j'étais rentré à 5h du matin, le coup d'envoi, il était à 14h. Parce qu'en Angleterre, tu joues l'après-midi. Et j'arrivais fatigué sur le terrain, fatigué, mais j'étais performant. Je ne sais pas pourquoi, Dieu, il était avec moi, Dieu, il est avec moi, Dieu, je ne sais pas pourquoi, mais j'étais performant. Mais c'est vrai que cette vie-là, tu te dis, oh putain, c'est chiant, j'ai des contraintes, j'ai ci, j'ai ça, j'ai des obligations et tout, etc. Tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas aller là-bas parce que là, tu as entraînement. Ou même, des fois, tu ne peux pas sortir. Pourquoi? Parce que tu as des heures. Tu as des heures, je m'en souviens, l'année dernière, quand j'étais à Sozopol, après 23h, on n'avait plus le droit de sortir. Dans la ville, si on te voyait dans la ville, c'était amende. Tu prenais une amende. Et de dire ça, puis tu te dis, mais attends, mais moi, je ne suis pas en prison. Je ne suis pas venu là pour qu'on me dise ce que je dois faire. Si je veux kiffer ma vie, je veux sortir à 1h du matin, je suis un grand garçon. Ouais. Mais c'est des obligations qui te mettent aussi dans ta tête que vas-y, il faut être discipliné. Ouais. Encore une fois, on revient toujours à la discipline. Ouais. Mais c'est vrai que c'est des moments où, vas-y, des fois, tu as envie d'aller en boîte, tu veux kiffer, tout ça, etc. Bon, moi, les boîtes, c'est fini. Ouais. Mais... C'est fini, hein, tu vois. Ah, c'est pas. En tant que jeune, quand t'es jeune, t'as 19 ans, 21 ans, tu veux kiffer. Et c'est là où, tu vois, on parle de discipline. Tu regardes les Ronaldo, Messi,
Ah ouais, c'est... 21 ans, truc, c'était des cracks. Après, c'est des machines. Ces mecs-là, je pense même pas qu'ils pensaient à s'amuser, à aller en boîte de nuit. Ouais. C'était dans la discipline. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde les aime, tout le monde les kiffe. Mais chacun a son échelon. Moi, j'idolâtre personne. C'est des bons joueurs. Je le suis aussi moi-même. J'ai ma discipline, j'ai mon travail. Chacun son truc à son échelon. Et voilà, mais c'est vrai que des fois, c'est difficile. Ouais. C'est difficile, t'es sportif, t'es bloqué. Des fois, quand je suis posé, je me dis, ah ouais, même la dernière fois, j'ai eu cette discussion-là avec Mamoudou, on aurait pu faire des trucs de fou. Ouais. Mais finalement, on n'a pas fait. Mais en même temps, quand j'y réfléchis, je me dis, ouais, quand même, tu vois. Non, c'est pas mal quand même la vie que... C'est une vie de diplomate. Diplomate, on est des diplomates. C'est vrai, on voyage tout le temps. Ouais. On n'est jamais dans le même pays. C'est-à-dire, t'as cette vie de diplomate où quand tu dois aller à l'étranger, tu vas à l'étranger pour performer. Donc ça veut dire que tu vas rester des une semaine. Tu es dans des hôtels de luxe. On te met dans des hôtels de luxe, tu restes. Tu sais, tu dis, mais attends, mais moi, dans ma chambre, il y a des lits à superposés. Ouais. Et tu te retrouves dans des hôtels de luxe. De 5 étoiles et tout. Tu prends ton kiff et voilà. En tout cas. Après, la vie sportive, bien sûr, ça reste la meilleure vie. C'était un projet qu'on avait préparé depuis un moment. Ouais. Et Dieu en a voulu ainsi que ça se passe aujourd'hui. Et j'en suis tout aussi fier. Et bon, j'espère que ça va aider certaines personnes à comprendre un petit peu le milieu sportif, déjà, et éducatif, tout ça, etc. Parce que bon, c'est vrai qu'on a fait les cons. Mais on a été aussi sérieux, je pense. Ouais, franchement, je pense qu'on a été sérieux. Après, il y a certains qui ont eu plus de sens que d'autres. Yes. Voilà, avec la vie des sportifs, on n'est pas tous. Tout le monde n'est pas forcément sportif de haut niveau. Tu vois, on peut tous faire du sport, mais sportif de haut niveau, c'est autre chose. C'est des sacrifices. Il y a une petite partie de sens aussi qui rentre en jeu à un moment donné. Après, il y a le travail. Après, il y a le talent. Il y a tout. Wilfried, yes. Là, on est au commencement là. Mais ouais. C'est vrai qu'ici c'était le commencement, c'est là où j'ai commencé à aimer le football. Ma première détection c'était ici, dans ce stade juste en face là-bas. Parce que tu as deux terrains principaux, tu as le principal ici et tu as celui-là qui est derrière. Ouais, et c'est ici que ça a commencé. Et c'est un plaisir d'y revenir, ici là avec mon frère. Tu vois, quand tu es parti en Angleterre, tu es parti en Bulgarie. Et il y a d'autres destinations qui vont arriver dans le futur. Voilà. T'es encore jeune, t'as le temps. C'est une fierté pour eux de me voir parce qu'ils m'ont vu au quartier. Ouais. Ils m'ont vu au quartier, il y en a, ils m'ont vu tout petit comme ça. Et quand là, ils me voient, tu sais, j'ai grandi, j'ai pris du gab et que je leur dis que je suis joueur de football professionnel. Ils me disent, ah ouais, mais t'as pas lâché. Ouais. Ils me disent, ah ouais, mais t'as pas lâché. Et en fait, moi, j'étais toujours avec mon ballon à jouer, même si j'ai eu ma petite période où voilà, c'était un peu plus compliqué. J'ai pas lâché. Et ouais, c'est une fierté pour eux. Quand ils me voient, et aujourd'hui, quand je fais des rencontres et que je parle un petit peu de mon vécu, de ce qui s'est passé, les gens, je suis un exemple pour les gens. Ouais. Je suis un exemple. Et moi, toujours, quand je sais que je suis cet exemple-là à montrer, j'ai des mots à leur donner, j'ai des encouragements, une motivation. Après, c'est pas tout le monde qui réussit, ouais. Tu vois. C'est pas tout le monde qui réussit, mais ne serait-ce que donner cette petite espoir-là à cette personne-là qui en a besoin, tu sais pas ce que ça peut donner après, ouais. Tu vois. Une petite étincelle, ça peut faire beaucoup de choses. C'est vrai. Et j'essaie de donner cette petite étincelle-là qui s'inspire un peu de moi, donner l'exemple et pas me braquer parce que j'ai personnellement, pour rester humble et avoir de l'humilité, c'est pas parce que tu as réussi que tu dois commencer à avoir la grosse tête, ouais, ne pas parler ainsi. Moi, je parle avec tout le monde, ouais, de ouais. Différentes cultures, tout le monde. T'es pauvre, t'es ci, t'es ça, je le suis aussi. Je parle avec tout le monde et il n'y a pas de star. Ça, c'est dans la tête. Ça, c'est quand je rentre sur le terrain, je mets mes likes. Et oui, là, je suis la star sur le terrain. Mais dès que je sors, je parle avec tout le monde, je suis ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de ouais, je ne te parle pas parce que j'ai cette notoriété-là. On s'en fout de la notoriété. Ouais, on s'en fout. Aujourd'hui, ça ne vaut rien du tout. Une notoriété, c'est que dalle. Mais c'est ce que tu as sur le cœur qui compte, c'est vrai. Si tu as une bonne personne, si tu es respectueux, tout ça, etc. C'est ça qu'on retient de toi. Et moi, quand je vais dans les clubs, ce qu'on retient de moi, c'est ma personnalité. Oui, au-delà du football, au-delà des performances, c'est ma personnalité parce que je suis simple, ouais. Je suis humble. Et je ne me prends pas pour la personne que je ne suis pas. Et même si j'avais ou j'ai pas besoin de faire ressentir ça. Je reste moi-même par rapport à mes valeurs, mon éducation,
mes principes. Et voilà. Non, franchement, ça m'a fait plaisir, mon gars. Mesdames et messieurs, franchement, ça nous a fait plaisir de passer ce petit moment avec vous. Yes. Et on espère que vous avez pris du plaisir. Pareil. Et voilà, ça change de d'habitude. Ça change de tous les interviews que vous avez pu voir jusqu'à là. Mais voilà, ça fait partie aussi du jeu, ça fait partie aussi de la vie. Voilà, c'est une connaissance, c'est un ami, c'est un frère. Donc on a passé des moments difficiles ensemble. Aujourd'hui, on se retrouve pour TV Touba devant vous. Will, à la prochaine. Voilà. Sur TV Touba, tu es toujours le bienvenu. Et je remercie tous les collaborateurs, Moumi Traoré, Mamadou Sow, Linky Elka, Ousmane Kodoré, Naye Traoré et tous les autres que je n'ai pas cités. Donc je vous remercie énormément et je vous dis à la prochaine sur TV Touba pour plus de sport, plus de culture, plus d'actualité, plus d'informations, seulement sur TV Touba. À plus tard. Allez, ciao.